Un bon bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'avais le goût depuis longtemps de faire cette capsule, mais voilà, manque de temps, oui, toujours ce manque de temps, n'est-ce pas? En fait, vous êtes très très nombreux à me demander la signification des différentes couleurs des plumes d'ange qu'on peut rencontrer. Eh bien voilà, maintenant je prends le temps de vous faire quelques capsules en vous expliquant les différentes couleurs des plumes d'ange que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Je vous souhaite une belle écoute des différentes significations des couleurs d'une plume d'ange. Les plumes d'ange sont souvent, eh bien, perçues comme des signes spirituels ou des messages de la part des anges, n'est-ce pas? Ou d'autres entités spirituelles. Chaque couleur de plume est associée, eh bien, oui, à une signification particulière qui peut varier en fonction des croyances personnelles ou des traditions spirituelles. Voici quelques-unes des interprétations courantes des couleurs des plumes d'ange. Et aujourd'hui, nous sommes sur la plume verte, guérissant et croyant et croissance. La plume verte est souvent associée à la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle symbolise également, eh bien, la croissance, la fertilité et l'harmonie avec la nature. Cette belle plume verte, eh bien, est un symbole spirituel profondément associé à la nature, à la croissance, à la guérison et à l'abondance. La couleur verte est souvent liée à la vitalité et à l'énergie de renouveau. Eh bien voilà, voici une exploration détaillée des différentes significations possibles de la plume verte. Alors le vert, on va commencer par la couleur. Le vert est la couleur, eh bien, du cœur, n'est-ce pas? Et le cœur, c'est le quatrième chakra qui est le centre de l'amour, de la guérison et de l'équilibre émotionnel. Trouver une plume verte, eh bien, peut indiquer que vous êtes dans une phase de guérison, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Elle peut symboliser, eh bien, un processus de renouvellement et de rajeunissement où vous vous libérez des anciennes blessures et retrouvez une nouvelle vitalité. La plume verte est un rappel que la guérison est en cours ou que vous devez vous concentrer sur votre bien-être. Cette couleur verte est fortement liée à la croissance et au développement, tout comme la végétation qui pousse et s'épanouit. Une plume verte peut signaler une période de croissance personnelle ou professionnelle où vous développez de nouvelles compétences, des connaissances ou des perspectives. Elle peut aussi représenter, eh bien, le début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle phase de votre vie où l'expansion de la prospérité sont à portée de main. Le vert, eh bien, est la couleur de la nature, des forêts et des champs. Une plume verte peut être un signe que vous devez renforcer votre connexion avec la nature. Cela peut signifier passer plus de temps à l'extérieur, être plus conscient de votre environnement naturel ou encore adopter des pratiques plus durable et respectueuse de l'environnement. Elle vous encourage à renouer avec les rythmes naturels de la terre et à trouver l'harmonie avec le monde naturel. Le vert est également associé à l'abondance,
à la prospérité et à la richesse souvent liée à la croissance matérielle et financière. Alors oui, trouver une plume verte peut être un signe que l'abondance est en train d'entrer dans votre vie, que ce soit sous forme de richesse matérielle, de nouvelles opportunités ou de relations enrichissantes. Elle vous rappelle, eh bien, que vous êtes en alignement avec un flux de prospérité et que vous pouvez attirer ce dont vous avez besoin. En tant que couleur de la nature, symbolise aussi l'équilibre et l'harmonie. Une plume verte peut indiquer que vous devez chercher un équilibre dans votre vie, que ce soit entre le travail et la vie personnelle, entre vos émotions et votre esprit, ou encore entre votre vie intérieure et extérieure. Elle peut aussi symboliser un état de paix intérieure et d'harmonie avec, eh bien, votre environnement. Le vert est souvent associé à l'espoir et à un nouveau départ, tout comme le printemps symbolise, eh bien, le renouveau après l'hiver. Trouver une plume verte peut être un signe d'espoir, vous rappelant que même après des périodes difficiles, il y a toujours une possibilité de renouveau et de croissance. Elle symbolise, eh bien, l'émergence de nouvelles opportunités et de nouvelles énergies positives dans votre vie. En étant lié au chakra du cœur, n'est-ce pas ? Le vert est aussi une couleur d'amour et de compassion. Une plume verte peut être un signe que l'amour est en train de grandir, eh bien, dans votre vie, que ce soit sous forme d'amour pour vous-même, d'amour pour les autres, ou d'une relation encore amoureuse. Elle peut également vous encourager à faire preuve de compassion, à, eh bien, ouvrir votre petit cœur et à être plus aimant et attentionné dans vos interactions avec les autres. Alors, vous savez, certaines traditions spirituelles voient la plume verte comme un symbole de protection et de guidance spirituelle. Elle peut indiquer que vous êtes soutenu et guidé par des forces spirituelles bienveillantes qui vous aident, eh bien, à trouver votre chemin dans la vie. C'est un signe. C'est un signe que vous n'êtes pas seul et que vous êtes entouré de l'énergie protectrice de la nature et des esprits guides. Si vous trouvez, pour certains d'entre vous, une plume verte, prenez un moment pour réfléchir, eh bien, à la manière dont ces significations pourraient s'appliquer à votre vie actuelle. Vous pourriez, eh bien, la garder comme un talisman pour vous rappeler de vous concentrer sur la guérison, la croissance et l'équilibre. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un rappel pour passer plus de temps dans la nature ou pour vous ouvrir, eh bien, à l'abondance et à la prospérité. Alors, enfin, en conclusion, n'est-ce pas ? Eh bien, la plume verte est un symbole riche en signification, évoquant des thèmes de guérison, de croissance, de connexion à la nature, d'abondance et aussi d'harmonie. Elle vous invite, eh bien, à embrasser la guérison, à embrasser le renouveau, à rechercher l'équilibre et la paix, et à cultiver une relation plus profonde avec la nature. En trouvant une plume verte, eh bien, vous recevez un signe spirituel qui vous guide vers un chemin de prospérité, d'amour et de vitalité renouvelée.
Eh bien voilà, ces interprétations sont basées eh bien sur des croyances spirituelles et peuvent varier en fonction des contextes culturels ou religieux. Chacun de nous a encore son libre arbitre. Donc, vous êtes libre d'interpréter la signification d'une plume d'ange selon vos propres ressentis et expériences. Voilà, pour ma part, je termine ici cette capsule. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous dis, eh bien, à très vite.